Lecture du poème Remember de Jeannine Picard, fille de déportée, lue par elle-même, suivie du chant des marées. J'étais sans voisin au balcon de la ville. Ils étaient sans voisin qui déjà n'étaient plus. Et la ville écoutait cet étrange silence, et la ville attendait, sans savoir qui bientôt pleurerait, le fils, le père, le frère, l'ami, disparu à jamais. L'ennemi était là, puissant, brutal, barbare, bourreau de tous ses hommes, pourtant vaincu par eux. Et les frères de supplice attendaient le terrible voyage qui ferait d'eux des déportés. La rivière, alanguie sous les ponts de la ville, faisait sa voix plus sourde et sa plainte plus douce pour bercer le silence. Le ciel de juin si bleu redevenait sanglant pour dénoncer au monde le sacrifice hideux. Ces enfants et ces hommes, victimes de la guerre, otages de l'histoire, héros involontaires, leur vie s'arrêta là. Des années sont passées sans apporter d'oubli. La vie des uns n'efface pas la mort des autres, sans cesse rappelée aux hommes d'aujourd'hui. Pourtant, la main barbare écrit souvent dans leur mémoire. Prête à frapper encore, prête à frapper plus fort. Enfants, souvenez-vous que si le temps de vivre est revenu pour vous, porteurs de joie, d'amour, d'espoir, ils étaient
100 moins 1 au balcon de la ville, il reste 100 moins 1 martyrs de l'histoire. Par Monsieur le Président de la République. Aux morts! Monsieur le maire de Tulle et Monsieur le président du comité des martyrs vont maintenant présenter à Monsieur le président de la République les médaillons en porcelaine sur lesquels figurent les portraits des martyrs. Les porte-drapeaux sont invités à gagner leur emplacement.
Vous restez pas devant les portes à la cour. Hein.
Thank you.
qu'elle soit fière, parce qu'elle l'a fait. Je vous souhaite bon courage, président. Monsieur le Président, François Solaire du Salmon, si votre commission honorée à Mannheim, c'est un grand privilège d'être ici, d'être invité. Merci pour merci, vous. Monsieur le Conseil honorable, votre présence. Un grand modèle à Tulle et je pense que M. Steinmeier s'arrête. C'est connu, mais si vous avez fait ça comme ça. C'est lui là. Vous allez me voir après là. Salut, j'arrive. Venez. On refait là. Oui, retour, on fait ça. Retour, parce que c'est le. Bonjour Monsieur le Président, Michel Roland, vice-président du comité de massacre. Moi, nous avons ouvert le risque de la chute. Voilà. Il est revenu. Tant mieux. Le massacre est comme ça, c'est mon élève d'affiche et la charte de valoriser vos pays sont financières. J'ai beaucoup de soucis. On ne sera jamais à la fois, je suis secrétaire du comité, mon père était particulièrement connu. Vous voyez le magnifique portail de Dieu, comme une cinquantaine de ses camarades. Merci. Merci d'être venu à mon je suis Sylvie Christophe, je suis une avaline que vous avez.
Excusez-moi, je ne peux pas me lever. Mais ne vous excusez pas, c'est moi qui suis déjà. Oui, toujours, monsieur. Moi, pour le monde combattant, toujours. Toujours. Il y a 17 ans que je suis présidente de l'ARAC et bon, c'est très bien. De la Corrèze. Oh, ben, je vous en prie, merci beaucoup. Chef, excusez-moi,
Bravo, c'est quel âge toi? Et toi? Ça fait 10 ans tout de suite. Vous êtes frère et soeur? Ah! Et toi? C'est la famille de madame. Merci beaucoup. Merci, bravo. Un adjoint sérieux qui va. Merci beaucoup. Et bravo. Bravo. Merci infiniment. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez
fermé. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous. Les enfants et petits-enfants. C'est moi qui vous remercie. Ah, je suis réveillé. Je suis pressé. Oui, on va dire mon rédacteur qu'on s'en va.